Regarde ta photo, tu te dis, ah, y a trop d'informations, ça représente pas ce que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, on va essayer de corriger ces problèmes-là en utilisant les règles du minimalisme. Allez, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Street Photography. Aujourd'hui, on part pour un épisode axé sur l'architecture. Je voudrais en profiter pour mettre en avant une technique qui est celle du minimalisme, qui recherche à épurer ses photos et sa composition. On part sur de l'architecture. Le quartier qu'on va aller shooter, c'est un quartier qui est relativement moderne. Ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est de jouer vraiment avec les ombres. De par ces ombres, essayer de montrer que le soleil a du mal à pénétrer dans les rues. Donc le premier point, l'espace négatif. Le deuxième point, ça va être la façon dont ton œil est guidé directement vers le sujet. Soit ton sujet est au premier plan et c'est lui qui ressort. Ou alors tu vas utiliser des lignes directrices pour guider l'œil de la personne qui regarde la photo directement sur ton sujet. Donc tu peux te poser différentes questions. Est-ce que ma photo est simple à comprendre? Quel est son point d'intérêt? Est-ce que ta composition est lisible instantanément? En combien de temps es-tu capable de comprendre le sujet de la photo? Donc plus c'est rapide, plus t'es allé à l'essentiel. Une composition minimaliste vise à attirer l'attention directement sur ton sujet. Allez, c'est parti, je te dis à de suite.
Ha ha ha.